pour faire tout simplement quelques papiers importants. Voilà, tout simplement mon passeport et un autre document. Voilà. Donc là, je suis sur Salada. J'ai pris un semi-direct parce que le direct était à 11h. Là, la vidéo est là, il est actuellement 11h nickel, donc le temps d'arriver, j'étais plus arrivé plus vite que d'attendre le direct. Voilà, tout simplement. Donc, alors je vais vous faire. Attendez, 5 petites secondes. Hop. Alors voici ma Navigo. Tout sympa. Voyez, Navigo et j'ai deux petites choses qui avec moi que j'utilise pour mon transport en commun. Vous voyez donc tout simple. Alors la Navigo, je vous dis pas combien je la paye. Parce que c'est tout simple, les droits, il faut les connaître. Donc, et bien sûr, j'ai un autre, que c'est pareil. Donc, alors on continue, on va descendre par là, par là, par là, par là, par là. Et, là je mets ça dans ma poche, tranquille. Hop. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai chargé tout à l'heure ma batterie, donc normalement ça doit être tout bon. Hein. Hop. Là, tout de suite. Alors, là, on va prendre la ligne 3. Parce que c'est la ligne 3 qu'il faut prendre pour aller où il faut y aller. Hop. Simple. Voilà. Alors, hop là. Je continue à descendre. Yep. Je continue à descendre parce que la N3, elle est ailleurs. Bon bref, alors là on est toujours à. On est à Saint-Lazare, hein, donc. Là on est à Saint-Lazare, donc on marche toujours dans les boutiques, pendant les boutiques, tout ça. Et donc moi je vais aller au fond. Voilà. Je vais aller au fond, tout simplement. Donc, hop. Donc, alors, il faut encore descendre parce que ce que je vais prendre, c'est en bas. Vous voyez, alors c'est toujours là. Vous voyez. Hop. Voilà.
Donc, hop, voilà. Donc, tout simple, voilà. Alors, voici, hop. Voilà. Vas-y. Bon, allez, à tout de suite. À ma destination. Donc, on continue, donc on finit, comme vous l'avez dit, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Bon, hop. Bon bref, voilà, attendez 5 petites minutes, j'ai un truc à faire. Donc, on est parti. J'ai un petit truc à faire donc. Alors, bon, on continue donc. Voilà, merci pour le coup de klaxon. Alors, donc, on va traverser. Bien sûr, à Paris, ils savent se garer comme des moutons. Aïe, ma tête. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas aller jusqu'à l'intérieur avec la caméra parce qu'il y a quand même des consignes à respecter. Donc là, on se promène. On se promène. Voilà. Et donc, comme d'habitude, on traverse. Alors moi, je ne vais pas tout droit, je vais juste tourner à gauche. Et bien sûr, c'est une petite ruelle qui est à côté de l'avenue. Hop, voilà. Donc pour ceux... Alors, on ne va pas vraiment à Paris, hein. Voilà. Par contre, tout simplement, voilà. Alors, bien sûr, ce que je vous fais montrer, c'est un petit trajet, tranquillement, tout, voilà. Et le reste, là, bien sûr, ne sera pas filmé, parce qu'il y a des normes de sécurité à faire, pour tout le monde. Bref. Et peut-être, tout à l'heure, je vais faire une autre petite vidéo sur les agréments de ce qui se passe. Et aussi une petite chose sur Monsieur Macron, voilà, tout simplement. Vous verrez que ce que je vais dire, c'est très important et aux gens d'arrêter de dire des conneries et de réfléchir et surtout lui-même, bon rien. Bon bref, je ne vais pas parler du sujet, je parlerai ça plus tard. Vous voyez, il y a les sirènes, hein. Donc tout simple. Et après, bon, bien sûr, quand j'aurai fini tout ça, bah, je vous faire montrer, faire présenter quelques CD à la FNAC que je prends devant vous. Alors, ça va être direct, hein, comme ça c'est tout simple, parce que vraiment, il faut faire les choses convenablement. Donc, hop. Alors, on vérifie quand même s'il y a des totos, parce que comme c'est une petite ruelle, dans le cas des totos, voyez. Alors je regarde quand même, hein. Faut être prudent. Vous voyez, ils sont en travaux ici. Alors, ça fait un beau moment que c'est en travaux, hein. Ça fait un bail entre l'année dernière, ça fait plus de 3 ans je crois même.
Ça fait un petit moment que je n'ai pas été à mon consulaire, donc c'est simple. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo. Hein. Ah, je vais me faire tailler un short. Donc, on roule. Bon, allez, ça y est, à mon destination. Ah là là. C'est vraiment grave. Voilà, travaux sur travaux. Hein. Alors, voilà. Ma destination. C'est simplement là-bas. Bon, allez, à plus et à une autre vidéo. Bye bye. Bon, bah, me revoilà. Donc, j'étais à mon consulat. Bah, il faut prendre des rendez-vous maintenant. C'est tout nouveau, tout chaud, tout beau. Voilà. Un peu bizarre, mais bon. Et avant, je faisais pas de rendez-vous, donc c'est pas la peine. C'était tout prévu autrement, mais bon. Donc, ça a encore changé. Hein. Ils font comme les consulats, comme l'ambassade de France. Hein, ils font comme l'ambassade de France en. On peut dire, c'est pareil, c'est le même système, c'est vraiment, faut prendre rendez-vous, faut prendre rendez-vous. T'es du coin, mais faut prendre rendez-vous, voilà. Vraiment con, ouais. Ah bon, bref, voilà, c'est bon. Donc c'est ce que je reproche un peu à mon consulat aujourd'hui, donc c'était pas prévu, hein, de faire cette petite vidéo de fin comme ça, là. Donc j'étais prévu de faire un petit truc, là, de balader un peu, mais bon. Je vois que c'est un peu n'importe quoi, ça fait encore n'importe quoi, c'est comme tous les consulaires, tout ce qui leur intéresse c'est remporter l'argent. Mais bon, c'est pas une question que remporter l'argent, c'est ce qui m'embête, c'est ce que je comprends pas, c'est que maintenant, je prends des rendez-vous, des tonnes de rendez-vous, que ça sert quasiment à rien. Avant c'était pas comme ça, même par téléphone, maintenant ça changeait, c'est même pas par téléphone. Bah attendez, ça tombe bien. Comme j'ai là avec moi le document. Hop. Hop. Voilà. Pas de petit papier, c'est la même chose que ça, mais bon. Voilà, c'est. Maintenant, on fait sur internet et en même temps, on envoie ça. Bon, c'est n'importe quoi, attendez. Voilà, c'est un document comme ça qu'on m'a donné pour essayer de remplir et renvoyer ça. C'est vraiment un peu stupide pour faire ton truc, surtout que t'es. Bah, hein, comme toutes les. C'est pour ça que j'ai dit que tous les consulats là, sont tous pareils. Hein, toutes les mêmes administrations, françaises, portugais, chinois, tout ce que tu veux, sont compliquées. Bref, voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Pour certaines choses, hein. À chaque fois avant, fallait prendre. Avait pas besoin de rendez-vous. Maintenant, c'est une obligation de prendre des rendez-vous. C'est un peu n'importe quoi, mais bref, c'est pas grave. Hein. Faire avec, hein. Mais bon. Quel problème, c'est que j'ai un document important, mon acte de naissance qui est important, parce que ma petite dame en a besoin. Voilà. Elle a besoin. Mon extrait de naissance, elle a vraiment besoin. Bon, bien sûr, je prends l'extrait de naissance en version française. Ça sert à rien d'avoir l'extrême naissance en portugais. On est en France. Ça aurait été en Portugal, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire en même temps, tout simplement ça. Et bon, les petits trucs pour faire des petits CD que je voulais offrir, que je voulais acheter à la FNAC, je laisse tomber, c'est pas la peine. Hein. Bref, tout simple. Bon, c'est une petite balade comme ça. Ça me fait une journée gâchée, comme on dit. Pour moi, ça m'aurait fait plaisir de rester un peu plus longtemps et me balader un peu dans Paname, mais bon, j'ai pas trop envie de dépenser comme ça. Moi, j'aime bien dépenser quand j'ai quelque chose à faire. Vous voyez, c'est comme ça. Bref, écoutez, voilà, hein, c'est pas la peine de faire. Je vais vous montrer comment c'est à peu près mon consulaire, à peu près, hein, pour vous donner les détails quand même. Je vous donne à peu près en gros tout. Et donc, voilà, tout simple. Donc, à la prochaine vidéo et surtout, bonne continuation. Hein. Donc, voilà. Donc, continuation et
liker la vidéo et faites plaisir quand même aux gens au lieu de, d'être aussi vilain que ça. Voilà. Et voilà, bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit hier, il y aura beaucoup de vidéos sur les animations et beaucoup de, et certaines vidéos comme ça, là, un peu dehors. Et la vidéo des bus, bah, qui était prévue, c'est annulé, quoi. C'est très dommage parce que j'aurais bien voulu faire ce petit reportage, mais bon, c'est un peu agaçant de faire des choses, donc c'est pas grave, hein. Je ferai en sous-marin, hein, et je ferai autrement. Hein. Donc voilà, on a la bise comme ça. Et voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie et surtout bonne vidéo, likez-la et voilà. Et je vous remercie, à plus, bye bye.